Bon, salam la famille. Aujourd'hui, deuxième jour à Tunis. Journée plage. Et journée plage aujourd'hui. On est à Rafraf. Rafraf. C'est magnifique, regardez. Aaj hum aaye hain beach mein. Itni sard garmi ho rahi hai, il fait 42 degrés environ. Et on est venu à la plage ici. Profitez. Bon, voilà la famille là, on est venu à la plage Rafraf qui est là. Regardez bien comment c'est beau. Bon, voilà la famille là. Regardez, il y a un restaurant juste derrière avec une bonne ambiance. Il fait un barbecue là-bas. Vous pouvez voir. Ça a l'air beau quand même, ça a l'air bon surtout. Et ils ont un restaurant juste à côté, donc je passerai tout à l'heure, Inch'Allah, pour bien manger. Et franchement, la chaleur, il tape fort. Il fait dans les 42, 43 degrés. Mais c'est agréable en fait. Il faut juste aller se mouiller dans l'eau et ça va être bien après. Mais sinon, à part ça, c'est bien. C'est stylé, c'est propre et c'est nickel. Donc on verra bien, Inch'Allah, la famille. L'eau, elle est vraiment bonne. Regardez comme elle est stylée. Regardez bien. Ça fait du bien d'être là. Il y a des vagues de malades, il fait chaud, mais ça fait du bien, c'est agréable quand même. Les vagues sont parfaites. Bon la famille, la journée de plage aujourd'hui c'est fini. Il a fait très très chaud, ça a fait du bien. Maintenant ça va être l'heure de rentrer. Parce qu'il commence à faire nuit, vous entendez la azan qui est là juste à côté derrière. C'est l'heure de la prière de Maghrib. Et c'est le Maghrib time, donc maintenant ça va être l'heure de rentrer. On a passé une très très bonne journée et il faisait vraiment très chaud, l'eau était parfaite, parfaite, parfaite. Vous pouvez voir la différence un peu, j'ai quand même bronzé, mais bon, ça va, ça fait du bien le bronzage. Et puis on se verra peut-être une prochaine fois, Inch'Allah. Donc, apna khayal rakhna, aaj din bahut acha guzra, apna Maghrib time zarur milenge aap sabse, theek hai, apna khayal rakhna, see you. Bon, salam alaikum la famille, aujourd'hui c'est le troisième jour, vous savez où je suis? Je suis au Tunis centre. C'est quoi le quartier? C'est quoi le nom? Beb Sahab, je sais pas, un truc comme ça. Regardez comment c'est. Il fait chaud. Il y a des gens qui s'embrouillent à côté. Mais on s'en fout, ça nous regarde pas. Nous, on marche tranquillement. Elle a peur. Elle est en panique. Donc là, c'est parti, la famille. On va visiter un peu le... On va visiter un peu le souk. C'est ça? Ouais, Beb Hab. Souk, ça veut dire marché. Beb Hab. Beb Hab, ça veut dire genre. La porte. La porte, ouais. Les Champs-Élysées ici. Porte de plage, c'est ça. Porte de plage, comme, les... comme aux Champs-Élysées, c'est ça? Voilà. On a l'Arc de Triomphe en fait, en Tunisie. Regardez comment il est. Il est beau. On est dimanche aujourd'hui, donc tout est fermé. Heureusement, parce que sinon il y a trop de monde ici. C'est ça ou pas? Oui, ici. Il y a tout qui est fermé. Vraiment ça, il y a des lignes et tout. Ça c'est ruelle, c'est ça? Voilà, on est rentré. On est rentré maintenant dans les ruelles anciennes de Souk. Tunis centre. Bon, la famille, regardez là, c'est les tunis typiques tunisiennes qui sont là, regardez bien. C'est les tunis de mariage, ça? De femme. Femme, d'accord. Là, il y a un beau gosse, Inch'Allah. Non, je rigole. Voilà, il y a tous les tenues. Un petit magasin au souk de Tunis Médina, au Tunis, c'est ça? Et c'est pas mal, c'est beau, machallah. Vraiment traditionnel, quoi. Voilà. So guys, jaisa ki aap dekh sakte hain ki yahan pe ek marshal lagta hai Tunisia mein aur ye gali mein bana hai, jaise hamari Pakistan mein gali hote hain na, waise bana hua. Aap dekh sakte hain kitna pyara lag raha hai. Bas andar jaate rahe aur bahut kuch hai dekhne ke liye.
J'ai bouché une main, quoi. C'est grave, vous. C'est tout va. Bon, la famille ici, il commence à faire. Il fait vraiment très chaud. Mais heureusement qu'aujourd'hui c'est dimanche et tout est fermé. Comme ça on peut au moins respirer. Mais sinon il fait grave chaud. C'est blindé de ouf et il fait grave chaud. C'est des petites ruelles en fait. Au marché de souk. Et on va se perdre. Perdez-vous comme je dis toujours. Perdez-vous dans les ruelles de souk. Perdez-vous dans les ruelles de Tunis. C'est ça ou pas? Regarde. À chaque fois que je le dis, c'est ça ou pas maintenant? C'est ça ou pas? Ouais. Il faut perdez-vous dans les ruelles, c'est ça ou pas? Perdez-vous, vous êtes là pour profiter et tout. Profitez alors, perdez-vous. Voilà. Donc maintenant on va se perdre ici. Bon la famille là, on a la mosquée Zetouna qui s'appelle. En Tunis centre, en plein centre, regardez comment c'est magnifique. En plus, c'est l'heure de la azan. Ça, c'est l'azan de quoi? L'Asr. L'Asr, regardez. Bon, la famille, il faut toujours se rafraîchir. Donc, regardez ça, boka cidre. J'ai commencé à boire cette boisson-là. Depuis que je suis là, c'est une tuerie. Je bois que ça et c'est vraiment grave bon. Donc, toujours, faut se rafraîchir. Ça, c'est des portes de l'ancien temps. C'est des portes qui datent d'il y a longtemps, en fait. Typique tunisienne. Bon, on va rentrer dedans. Non, je crois qu'elle s'est fermée. Bon. Oui. Regardez les ruelles d'ici en Tunisie, comment elles sont. Non, pas problème. Regardez. Avec lui, par conseil. Il n'y a pas de lumière ici, c'est pas bien éclairé. Mais on avance en fait, on fait le tour de la mosquée en fait que je vous ai montré tout à l'heure. But even there is a roof, you can see all Tunis capital. All. Voilà, c'est un magasin de tapis. Voilà la famille, regardez, on a une vue sur tout le Tunis centre en fait. C'est le centre de Tunis. On a une très très belle vue ici. On voit tout en fait, regardez bien comment c'est beau. C'est beau ici, machallah, ma famille, c'est grave beau, tout en haut. Voilà, c'est bon, ça c'était une petite intro pour TikTok. Bon, là, on va rentrer dans le truc de parfum, regardez.
Venez, asseyez-vous ici, à côté. Je vais voir vous écrire. Bon, la famille, regardez là, il n'y a que des parfums. Sans alcool, et c'est naturel. Regardez bien. Ah, vous êtes en train de filmer? Oui. Sauvage dur? Ouais. Attendez, ouais, ouais, je connais, je l'utilise. Bon, ça c'est la base de sauvage dur. Ouais. Vous connaissez cet instrument? Non, je connais pas. Ça, c'est l'alambic. Okay. Ça, avec ils font les parfums. D'accord, d'accord. Mm-hmm. Il y a des promotions aussi. Hein. Quand quelqu'un il prend 3, il est à la 4e. Quand vous prenez 5, vous avez 2 gratuits. Et prix, c'est combien du coup? Le prix, c'est. Normalement, 1 gramme, c'est 1 dinar et demi. Mais maintenant, il y a des promotions, comme je t'ai dit. 1 gramme, c'est 1 dinar. On a de 30 grammes jusqu'à 100 grammes. Et là, les flacons de 30. Toute la bouteille. C'est pas ça? Toute la bouteille. Ah, c'est ça, ça c'est 30 dinars ça? 30 dinars. D'accord, donc ça c'est 30 dinars tout ça. Vous allez mettre dedans tous les parfums mélangés? Tous les parfums. D'accord, ok, ça marche. Laquelle que vous choisissez, ouais. Le verse là-bas. Bon, regardez ici, apparemment ils ont tourné une série tunisienne. Et c'est grave connu, c'est un café en fait, qui est dans le sous-sol, mais même qui donne même sur la terrasse aussi. C'est beau, regardez. On peut visiter? Bon, moi je suis venu pour visiter. J'espère que c'est bon. C'est un café calme et tout. Bon, je vais éviter de filmer les gens, mais là c'est bon en tout cas. Bon, là, tout est fermé à cette heure-ci, mais c'est calme en tout cas, c'est bien pour visiter, je trouve. Bon, la famille, regardez là, je fais le tour de la mosquée en fait. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est la mosquée Zetouna, je crois. Je ne me rappelle plus du nom, mais ça, c'est la mosquée que je vous ai montré tout à l'heure, là, de l'autre côté. Et là, c'est à l'intérieur de la cour qui est grave belle, machallah. Regardez comment c'est beau. En tout cas, c'est magnifique, machallah. En fait, la famille, c'est une mosquée très ancienne, mais connue, en fait, de l'époque. Et c'est vraiment beau, machallah. Il y a plein de choses à voir parce qu'en fait ça parle de l'historique, de l'histoire de la Tunisie. Et ils tournent plein de films ici aussi, enfin plein de séries ils ont tourné ici. Et c'est magnifique en tout cas. Les gens ils viennent faire la prière ici, du moins et tout ça. Et en tout cas, c'est comme on dit, une mosquée très ancienne et vraiment magnifique, machallah. Je vais vous montrer de l'intérieur si j'arrive parce que comme les gens ils sont à l'intérieur, c'est pas bien. Je vais faire un tour. Bon, la famille, c'est comme. Je suis à l'intérieur de la mosquée. Regardez comment c'est beau, machallah. Faut pas que je fasse trop de bruit. En tout cas, c'est beau, machallah. Voilà la famille, la prière maintenant est faite. Maintenant, je vais ressortir de la mosquée et retourner
faire le tour, continuer mon tour. C'était très agréable et puis ça fait du bien, franchement. See you next time.